Bonsoir à tous, ici Avangerion pour un live spécial Diablo 3. Donc ce soir on va se rejoindre sur Diablo, sur le RPT spécialement. Oula, qu'est-ce qui s'est passé là? Qu'est-ce qui s'est passé ici? Il y a tout qui a bougé, c'est pas possible. Allez, on remonte un petit peu encore, faut bien qu'on mette la tête, hein, sinon c'est pas marrant. Hein. Donc voilà, on se retrouve sur le RPT Diablo 3. Donc on va s'attaquer au patch 2.4 à recherche du donjon perdu. Donc pour la nouvelle fonctionnalité des donjons, j'ai pas cherché, je ne sais pas du tout où c'est, je ne sais pas du tout ce que c'est. Donc je pars à la découverte. Je sais qu'il y a des failles qui sont un petit peu plus costauds. J'ai pu tester d'ailleurs les failles supérieures, donc supérieures. Donc je vous montrerai aussi, vous verrez ça. Et donc du coup, les donjons, on ne sait pas, on ne sait pas du tout. Je vais analyser, je vais chercher, je vais trouver, on verra déjà. On va dire si on va trouver ou pas. On va faire un petit tour d'horizon de tout ça. Patch Diablo 3 2.4. C'est parti. Donc voilà. Alors ce qui s'est passé, c'est que pour le RPT, donc le RPT c'est le Royaume Test de Blizzard, je perds mes mots, je trouve plus rien du tout. Donc c'est le Royaume Test où on a l'occasion de pouvoir en avant-première tester les patchs avant leur sortie officielle. Et donc j'ai pu faire une copie de mon personnage d'origine que j'avais déjà. Alors ce qui s'est passé, c'est que il m'a tout simplement fusionné le héros de saison avec mon main de Diablo 3. Et ce qui fait que je me suis retrouvé avec une quantité astronomique de gemmes, de matériaux, de ce que vous voulez. Et donc du coup j'ai pu réussir un petit peu à assembler les éléments et à confectionner mon fameux set du maraudeur. Donc qui est un peu plus complet qu'avant. Donc on va se retrouver sur le... Je vais jamais y arriver, mais excusez-moi, ouais, j'ai le nez qui gratte ces derniers jours là. Alors, les onglets de coffre en plus. Donc il y a un onglet en plus. Alors pour le peu que j'ai pu lire, justement, au fur et à mesure qu'on va progresser, on peut débloquer plus d'onglets. Voilà, donc on va voir ça aussi, on verra. Ah, je sais pas ce que j'ai là. C'est l'émotion. Comprenez, je suis en live, c'est l'émotion. Donc, oula, j'ai mon processeur. Alors attention, oula, attendez juste, oula. Les premiers problèmes commencent. C'est mon processeur qui part en... En live. Je fais encore des petits réglages, désolé. Hein, j'ai pas encore tout testé, tous les petits trucs. Là, je stream en 720. J'ai hésité à faire le 1080 parce que avant j'ai fait une petite vidéo en 1080. Bon, faut dire que c'était un enregistrement sur disque dur. Et là, même en étant en live, j'ai quand même 80% de processeur. Donc, je ne sais pas pourquoi. Ça va faire mal. Je ne sais plus. Donc on va déjà essayer de couper certaines choses, éviter de trop charger le petit bébé, parce que même au niveau de la mémoire, je suis saturé. Et là, je ne sais pas trop comment ça va se passer par la suite. Hein. Bref, on se retrouve sur Diablo 3, donc on est parti à la recherche du donjon perdu. Donc on va essayer de voir à quoi ressemblent exactement ces fonctionnalités. Donc ici, alors si je me souviens bien, dans l'acte... Non, c'était pas l'acte 1, c'était l'acte 5. Donc vous avez la nouvelle zone Grey Hollow Island. Donc j'ai déjà pu tester, que j'ai fait... c'est pas trop mal, c'est sympa. Je vais faire un petit tour aussi avec. Mais par contre, bah alors pour le reste, les donjons... Oh ! Je ne sais pas du tout. Je ne sais pas du tout, j'ai pas du tout regardé. J'hésite à y aller quand même, je vais perdre du temps. Je vais perdre du temps, mais c'est pas grave. On va quand même essayer de voir où sont ces donjons.
sont les donjons. Parce que j'ai pas du tout regardé l'histoire du patch de 4. J'ai survolé les grandes lignes. En plus, il était en anglais. Il était en anglais quand j'ai vu la sortie. Décidément, ce n'est, c'est pas possible. allez. Donc, comment obtenir... Non, c'est pas ça. Ce coup-ci, tour d'horizon en vidéo. Je peux pas regarder les vidéos quand même, non. 4 joueurs, la raison du nerf, blablabla. Trombe, pourquoi le patch? Pourquoi le patch? Liste d'objets des donjons. Je ne sais pas. Alors c'est les donjons spécifiques au set qui permettent justement de tester le set. Voilà, bah c'est pas possible d'avoir le processeur qui plane comme ça là. Je vais pas pouvoir faire long feu à mon avis. Donc c'est des donjons qui permettent justement de tester le set complet. Donc à partir du moment où vous avez un set complet, vous pouvez justement tester ces donjons. Mais c'est juste de savoir où sont ces donjons. Où sont les donjons? Bon allez, on laisse tomber. Tant pis, on va aller chercher, mais je laisse tomber les recherches. On va aller chercher comme ça, on va faire des failles, Et encore, c'est pas dans les parties publiques. Quitter la partie. On va quitter la partie. Parce qu'en étant sur le PTR, quand même, faut dire que pour se connecter en public, c'est délicat. C'est délicat. Donc on va se mettre ici, là. Non, toi tu restes là. Voilà, donc paramètres de partie. La campagne, non, c'est pas la campagne. C'est pas dans la campagne. En plus, il faut... Ah oui, en plus, il faut tout recommencer. Non, s'il vous plaît. Donc, c'est dans les aventures. Là, je suis dans les tourments. On peut choisir. Je vais rester dans le 8 parce que je m'en sortais vraiment très bien. Et en partie publique... Mis à part... Oh, en plus, il n'y a personne. Donc là, c'est déjà... On peut essayer les primes. Ah, les failles. Allez, on va essayer les failles. Les failles en public, en espérant que... Oui, je suis sur le RPT. J'étais en train de regarder si j'étais sur le RPT. Depuis le PTT. Parce que ça me paraissait bizarre que j'arrivais à me connecter aussi rapidement. Bizarre, oui, dans le sens où... en général, les premiers jours du PTR sont... C'est affreux. On peut pas se connecter. Il faut attendre une demi-heure pour une partie. C'est un petit peu normal. Tout le monde a envie de tester les patchs dès leur sortie. Hello à tous. Un allié quitte mon groupe. Hop, et ça repart déjà. On va essayer de tester. Ah oui, mais ils sont déjà partis. Ils sont là. Voir pourquoi c'est pas fermé où vous êtes rendu avec le Néphalem. Non, là, j'ai pas besoin. Je suis à 8, j'ai déjà tout. J'ai le set du maraudeur complet, hein, parce que j'ai pas la bague. J'ai pas la bague, justement, qui permet d'avoir... de bénéficier d'un set de moins. Enfin, je l'ai... Un allié rejoint mon groupe. Mais où c'est que je l'ai caché cette bague? J'ai tout foutu, j'ai tout lâché. J'ai tout lâché, il a lâché la bague. Mais il est fou, j'ai lâché la bague. J'ai lâché la bague. Ah non, si, j'ai lâché la bague. Donc vous voyez ici là, je monte du doigt, mais de toute façon, suivez le doigt. C'est là-bas. Quoi? Vous voyez là? Un allié quitte mon groupe. Un deuxième coffre. Sont plus faibles. Hop! Voilà, donc au fur et à mesure, je pense qu'il va pouvoir y avoir des onglets en plus qui vont se rajouter par la suite. Et c'est au fur et à mesure qu'on va monter dans les parties. J'ai lâché la bague. J'y crois pas là. Un allié rejoint mon groupe. Ah, c'est la fameuse bague qui permet justement d'avoir un set en moins. J'y crois pas, j'ai tout lâché. Bon, tant pis, allez, on va pas chercher pendant 107 ans. Hein. Je l'ai plus. Hein. Bon, c'est pas grave. Et ils veulent pas, ils veulent. Aïe, c'est chaud là ce soir, c'est chaud là. Mais qu'est-ce qui se passe? D'habitude, j'ai aucun problème. Et là, bizarrement, pouf, il y a tout qui déconne. Le processeur, il est dans les choux. La mémoire s'envole, c'est le disque dur. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu veux plus? Tu suis plus? Non? Et encore, j'ai pas mis de musique, j'ai rien mis du tout, alors... Bon. Qu'est-ce qu'il y a? C'est celui-là? C'est lui-là qui gêne?
Tu veux que je t'enlève ? Un allié rejoint mon groupe, mais mes adversaires sont plus forts. Bon. Deux secondes. Deux secondes. On va y arriver. On va y arriver. Allez, on va fermer ça. On va essayer de gagner un petit peu de... On va essayer de gagner un petit peu de... Je comprends pas. Je sais pas. Bon, les gars, je sais pas ce que vous voulez faire, mais... Ce serait peut-être bien qu'on s'organise, parce que, mine de rien, là, ça fait déjà un petit quart d'heure qu'on est sur le truc. Et il se passe que dalle. Ah ! Ils attendaient peut-être. Alors, faille de Bartuk. Alors, je veux pas dire de bêtises. Si je me souviens bien. Oh, oula. Oui, effectivement, il y a déjà eu du lâcher de 7. Mais j'y crois pas que j'ai lâché les bagues, quoi. Sans déconner. Faille de Bartuk 2. Bon, on va continuer, hein, puisqu'ils veulent pas finir le... Ils veulent pas finir la faille. Bon, on va leur finir à la place. Je vais opérer pareil. Bon, j'arrive à jouer, mais... C'est bizarre. Et encore, je comprends pas, parce que je suis en 780. C'est une mauvaise idée. Et... Bizarrement, je sais pas. Connexion pourtant largement au-dessus des moyens de stream. Je suis à la fibre. La fibre, j'ai 90 mégas. Largement de quoi streamer, c'est pas de soucis. Le PC, il tient largement la route. Hein, c'est un i7 860. Certes, c'est encore les anciennes générations, mais il devrait pouvoir tenir la course. Donc je ne sais vraiment pas pourquoi ils ont décidé de ne pas rouler correctement. Bon, c'est pas grave, ils ont réussi par me rejoindre, c'est bien les enfants, c'est bien, c'est gentil. Alors vous l'avez vu aussi, hein, les souffles de la mort sont d'une couleur différente, ils sont légèrement bleutés. J'ai la caméra en haut aussi, il faut que je me monte là pour... parler avec les gens. Bon, de toute façon vous me voyez, hein. Vous me voyez, ça c'est pas le souci. Mais je comprends pas trop là. Oui, la caméra, il faut que je la descende. Il faudrait que je la mette tout en bas, peut-être ici, je sais pas. Alors, pareil pour le pourcentage d'objets magiques, ils ont dû bien le. Voilà, suite de la mort. Ils ont dû bien le monter parce que. Tant que ça tombe, hein, c'est assez magique, hein. Plus la peur. C'est magique, hein. Bon les gars, alors mon petit bonus bien sûr de... Mon petit bonus de 20% une fois que j'ai tué un groupe d'élite. Alors on est partagé, un qui monte, un qui descend, un qui veut pas. Allez hop, allez, on va finir cette faille histoire de voir... ce qu'on va avoir. Je vais peut-être poser la question quand même pour les donjons. Les donjons et 7 de donjons, parce que c'est quand même le 1,70 vite fait. Bah j'aurais bien voulu mon petit gars, mais ça aurait pu être rigolo. Ça aussi, il faudra s'en attaquer. Le PL le plus rapide, puisque le record, je peux pas dire du monde, puisque c'est pas dans les livres des records. Donc on pourrait peut-être s'en occuper. Le record de montée en niveau 70, c'est de l'ordre de 1 minute 50 secondes. Donc si un jour ça vous tente d'essayer de battre ce record, je suis ouvert à toute proposition. Bien entendu sur Diablo 3. Qu'on s'en tienne. Donc oui mon petit gars, t'es gentil. Moi je suis en faille, j'aurais bien voulu te faire un petit PL. C'est rigolo de voir qu'en temps normal, en l'espace d'une petite heure, on peut... Tranquillement, oui, sans forcer. Sans forcer, on peut largement monter un niveau en niveau 70. D'ailleurs, mon barbare, je l'ai monté justement en PL de cette manière, avec l'aide d'une personne. Avec l'aide d'une personne. Et de toute façon, je pense que c'est une des seules solutions qui se fait de plus en plus. Les gens justement profitent très haut niveau de gens très facilement
leur personnage secondaire. Allez, hop, on monte un niveau, c'est pas moi. Ah, il est là. Et voilà, hop, on va poser les petits trucs. Ah non, j'avais trop, de toute façon, il va pas faire long feu. On est en tournoi 8 et tout se passe très vite. Hop, 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 là, on rentre à la maison et on va poser la question. Quelqu'un peut dire où se trouve. On peut continuer d'écrire. Hein. Les donjons. Hop. Et on peut même envoyer, si je me trompe pas, le message sera affiché. Oui. Allez, gars, on continue ou pas? Non. Ils sont tous rentrés en ville, donc on peut aller chez Orek, on peut toucher la somme et l'expérience. Et de fermer la petite faille, on va révéler tous les objets magiques. Hop. Et on va chez l'artisan. Alors, qu'est-ce que c'est que tout ça? À ce set, je sais pas. Je sais pas. Pourtant, c'est un set qui a l'air quand même assez puissant. Puisque les compétences qui génèrent de la ressource génèrent aussi un point de discipline. Donc à chaque fois que vous allez utiliser des compétences qui génèrent de la ressource, automatiquement, vous allez gagner un point de discipline. Ça peut être très intéressant pour justement varier légèrement les compétences, où vous pouvez quasiment tourner en boucle sans jamais vous arrêter au niveau des compétences. Je parle par exemple des sentinelles et même de l'appui de vengeance. À un moment, vous arrivez à une régénération de compétences extrêmement rapide et vous pouvez quasiment poser une pluie de vengeance, j'irai toutes les 5 secondes et encore. Donc, mais j'ai beau l'avoir testé, Je suis pas convaincu. Je le testerai peut-être plus tard. Alors le pas de l'ombre, lui non plus, c'est pas la peine. Quoique même, il a été modifié. Parce que justement, vous voyez l'ensemble 6 complet. Augmente les dégâts d'Empaleur de 40 000% des dégâts de votre arme contre le premier ennemi touché. On dit bien le premier ennemi touché. 40 000% des dégâts sur le premier ennemi. Tuer le premier et ensuite. Ça peut être sympa, mais non. Alors, la Manticore, c'était une des arbalètes, une de mes arbalètes préférées, on va dire, au tout début de Diablo 3. Il y avait même la possibilité à un moment de mettre 2 gemmes dessus. Et oui. Donc, on avait 2 fois les dégâts de coup critique de 130%, je peux vous garder. C'était pas 130%. C'était 100% un peu. Ouais, c'était 100% il me semble. Donc on avait 2 gemmes, on a la possibilité de mettre 2 gemmes. Et la Manticore était une des arbalètes sur le. Sur le. Bonjour à toi, Urziel. Donc je disais donc la Manticore, c'était une des arbalètes les plus demandées sur l'hôtel des ventes. Donc tu disais donc, en ce moment sur le PTR, le must c'est de faire un mix ombre maraudeur, 3 pièces de chaque. Alors comme dit, je l'avais déjà testé, même si l'ombre a été légèrement modifiée. Moi je l'ai plus, maintenant je l'ai jeté. Mais c'est vrai que on peut faire un mixte. D'ailleurs, je ne l'ai pas sur ce personnage. On peut d'ailleurs aller voir sur un autre personnage. J'ai fait un mix justement avec le maraudeur où j'ai gardé la fameuse bague, je me souviens même plus du nom, où tu peux justement bénéficier d'un set bonus. Donc tu peux faire 3-3 et ça te permet justement d'avoir un couple, justement un mix comme tu dis, ombre, enfin pas ombre, c'était pas sur l'ombre, je ne sais même plus d'ailleurs lequel j'avais pris. J'ai des trous de mémoire en ce moment, ça devient grave. Donc, allez, la Manticore, on va pas la garder, non. C'était même pas une ancienne non plus, donc allez, on va pas la garder. De toute façon, je vais pas garder grand chose, puisqu'on est sur le PTR. Et même si, pour l'instant, on est juste là pour tester plus ou moins. Ouh, celle-là, elle est pas mal. 3000 de DPS avec une chasse déjà dessus, en sachant que on peut monter d'un pour cent encore la vitesse d'attaque. Ça peut être sympa de la garder celle-là. En plus en force, donc je pourrais la mettre peut-être sur mon barbare. On va la garder. On va la garder celle-là, précieusement. C'est, je dirais, pas rare de tomber sur une pièce comme celle-là. 3600 DPS. C'est pas mal. C'est pas mal. Bah moi je suis pas aussi haut. Hein. Là, je dois dire que je traîne un peu en. Quoique là je suis sur le PTR maintenant, donc j'ai réussi à faire du tourment 9.
du tourment 9 et ben, je suis content parce que avec du tourment 6, je traînais en tourment 6 sur. Bon après j'ai pas vraiment optimisé le. J'ai pas vraiment optimisé le 7. Je suis pas vraiment dans les hautes catégories, je le fais pour le fun, pour m'amuser bien sûr. Mais je pense qu'il y a possibilité, en plus avec 10 000 de dextérité, je pense qu'effectivement je pourrais en fignolant un petit peu monter un peu plus haut et faire du tourment 10. Promesse du voyageur, alors celle-là c'est dommage parce que justement il n'y a pas la gemme, hein, il n'y a pas la chasse. C'est pas grave, on la garde pas, on garde pas, fou de la type, on la garde pas, contrainte. Allez, là, c'est une intelligence. Allez, on garde pas. Je vais juste garder celle-là qui m'a l'air vachement intéressante. Et celle-là sur le barbare, à mon avis, je vais me faire plaisir. Allez, hop, 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 hop. Toi, tu vas pas là, toi. Ah, ils veulent faire du pactole. Bien. Allez, on va faire un petit pactole. Allez, où c'est qu'il est le pactole? Ça, c'est sympa, les gars. On va faire des sous-sous comme si j'en avais pas assez. 900 000 de DPS sur la fiche en plus. Ouais, bah je sais pas, c'est certainement la façon de jouer, je sais pas. Pourtant, j'ai dit, hein, j'ai jamais dépassé les... Ça fait des petits paquets les gars, hein. J'ai jamais dépassé le tourment 6-7 sur mon main. Et pourtant, je sais que j'ai essayé d'optimiser au maximum le personnage. Et là j'ai été surpris d'avoir avec le même personnage de faire du tourment 9. Donc vraiment à chaque fois il change légèrement les statistiques. Bon les 7 ils ont changé. Et les 7 ils ont changé sur les capacités des 7. C'est vrai que le patch de 4 il promet. Ah ça. Effectivement, j'adore le pactole. Effectivement, là, il y a certains, même les barbares. Les barbares, c'est barbare. C'est barbare, les barbares. Quand je vois les gars en furie, là, c'est en tourment 10, si tu veux. Allez, hop, ça c'est fait. C'est passé. Je dirais ça, c'est phénoménal, quoi. Je totalise plus de... Je sais pas combien d'heures. Je crois que je vais sur ce jeu-là, sur ce personnage-là. Je suis à 600 heures je crois, un truc comme ça. Et même avec ça, bon allez, c'est pour le fun, je veux dire, je m'amuse, c'est sympathique. C'est sympathique et donc je m'amuse pas vraiment à essayer de faire plus. Bah oui, bien sûr qu'on veut rentrer dans le repère de l'avarice, voyons. Alors là, la particularité, si les gars ils le savent, c'est de pas tuer tout de suite le petit bonhomme. Hein, c'est d'attendre le pop des petits gobelins. Ah si. Je crois qu'ils ont compris. Non, ils veulent pas. Ils veulent la tuer ou pas? Ah non non, ils attendent. Allez, fais-nous popper un petit gobelin là quand même. Hop hop hop. Alors, je vais pas mettre mes sentinelles tout de suite là parce que j'ai l'impression qu'effectivement ils veulent pas. Bon bah tant pis. Allez, hop c'est fait. On n'en parle plus. On va l'achever. J'aimais pas cette partie là, à chaque fois j'avais fait une bêtise. Ça me rappelait comme Diablo 3, comme Diablo pardon, quand on va le tuer à différentes étapes. J'adore ce donjon. Ce donjon, j'adore ce boss. Allez tiens, allez. On mange. Bon allez, on rentre. Ouais, elle était pas gourmande. Hein. Oui, il y a une nouvelle zone de dispo. Mais moi je voudrais bien faire les donjons. Je voudrais bien tester mon petit set de maraudeur dans les donjons. Mais où sont les donjons? Où sont les donjons? J'ai pas du tout regardé sur internet. Je suis vraiment à la ramasse là. J'ai testé sans tester vraiment. Nouvelle transmo, c'était quoi ça? Dextérité, mantelé de canalisation. Tiens. Augmenter les dégâts de 23% et réduit les dégâts subis de 25% de l'organisation de trompe tir rapide. Ah oui, mais ça. Trompe tir. Ah oui, d'accord, c'est un mixte. Ok, intégration, chauve-souris, ruée de la tempête, tir rapide, rafale, rien. Ah, il y a l'ombre.
Je sais pas, j'hésite avec ce 7 parce qu'effectivement, si tu fais 3-3, tu as la possibilité donc, d'avoir l'ensemble 4 avec la fameuse bague. Donc tu as la puissance de l'ombre, obtient l'effet de toutes les runes. Il dure infiniment. Hein, ça, ils ont rajouté. Il dure indéfiniment. Le pire, c'est le croisé sur le PTR, faille 150 en 6 minutes. Faille 150. Oui. Ils en étaient où déjà? Faille 80, je crois. Oui, oui, effectivement, ils ont bien augmenté la puissance. Et oh non, c'est 150. Ils sont craqués, les gars. Non, je vais pas garder. Par contre, lui, je vais le garder là. Je vais les mettre précieusement de côté. Réduit le temps de recharge. Voilà, c'est cette fameuse bague. Bah, d'ailleurs, je l'ai sur la canaille, le temps de recharge qui est réduit. Donc, j'ai pas besoin de la garder puisque je l'ai déjà. Mais j'ai jeté les bagues de 7, quoi. C'est. Bon, après, c'est le PTR, comme dit, on s'en fout un peu. Il n'y a personne, visiblement, qui sait où seront les donjons. Je la veux pas, la morveuse, moi. Personne ne sait où se trouvent les donjons. Ah, en plus, c'est un bug exploit. Ouh, c'est pas bon, ça. Hein. Même si c'est sur le PTR, attention. Hein. Bizarre, il aime pas trop ça. Même si c'est des tests... ils aiment pas trop ça. Hein. Ils préfèrent quand on leur dit que c'est justement. Je sais pas, j'ai pas regardé ces derniers temps l'actualité sur Diablo 3. J'ai vu que le patch était sorti. Comme il y a les aventures Hearthstone, là c'est pareil, j'ai même pas encore eu le temps de tester. Les aventures Hearthstone, StarCraft 2 qui est sorti, donc là, plus la BlizzCon, puisque je partage aussi les vidéos de la BlizzCon. Bon, ces derniers jours c'était un petit peu là. Un petit peu la folie dans la tête, donc j'ai pas pu tout faire, et c'est vrai que le patch, je suis un petit peu passé à côté. Donc j'ai vu ça, le patch 2.4 sur le PTR, puis hop, on y va, on se lance, et pouf, dégâts d'épines, oui, c'est les 40 000, c'est ça, hein, non, c'est non, pas c'est les 10 000%, je crois. Où est-ce que j'ai vu ça, les dégâts d'épines? Non, c'était pas sur celui-là. Non, c'était pas le maraudeur, ils n'y ont pas touché. Je sais plus sur lequel set c'était le dégâts d'épine augmenté de 4000%, je sais plus. Bon, les petits gars, vous faites quoi là? Mis à part un petit pactole, on peut se faire une petite faille sup. La faille renforcée, c'est pas trop. Ouais, voilà, j'ai fait une T9. Donc une T9, mais je sais pas ce qu'ils font, les gars là. Le destin vous sourit aujourd'hui. Allez, hop. Je voudrais bien trouver ces donjons là, mine de rien. Mais non, mais qu'est-ce que tu fais là? Bon, allez. Je sais que les donjons sont cachés, si jamais, hein, si vous êtes sur le miaou, sur le chat. Qu'est-ce que j'ai fait là? Je me suis téléporté à un endroit. Non, pas rester là, je vais pas rester là. Je dois rentrer. Oui, vas-y, rentre à la maison. Alors, est-ce que le stream il est fluide? Est-ce qu'il est saccadé? On verra ça plus tard sur le replay. En plus, je suis en 720 en 30 fps. Et là, je vois mon PC qui s'affole, je comprends pas du tout. So, what's up, guys? Moi, je veux bien ouvrir la faille tout seul, mais bon, mine de rien, je suis le plus faible en paragon dans l'histoire, et puis c'est les autres qui bougent pas, quoi. Hey! Mais c'est pas ça que je voulais faire ce soir. C'est pas des failles que je voulais faire. Moi, je vais chercher les donjons. Où sont les donjons, s'il vous plaît? Oui, ah oui, les objets détruits permettent justement un bonus de vitesse. Donc, au fur et à mesure que vous allez détruire des objets, vous allez gagner un pourcentage de vitesse. Ah, un petit gobelin. Un allié qui prend gros bus de l'air, les ennemis sont très faibles. Un qui se balade là dans le coin. Non mais allez-y, hein, je me débrouille tout seul, bon c'est pas un problème. Hein. Il est où le petit gobelin là? Je l'ai entendu. Je t'ai entendu. Ouh là là, qu'est-ce qui s'est passé? On est encore là. Non. Ça a bugué un petit peu.
Ah, il est là-haut, 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 t'énerve pas, toi. Hop. Voilà, je l'ai vite fait, celui-là, en plus, il y a une limite, ça tombe superbement bien. Allez, allez, ah, le petit barbare, là, j'adore ça. Moi, quand je vois ça, bon, j'ai testé, par contre, le barbare, comme ça, de jouer comme ça, c'est ça pique quand même. On va chercher le bonus de 25% derrière, par contre. Quel con alors sur le bassin. Oui, j'ai un bonus d'expérience, c'est très bien de me le rappeler. Si jamais je pourrais l'oublier. Donc ce bonus il est actif jusqu'à ce que vous mouriez. Eh oui, une fois que vous mourrez, vous perdez tous les bonus d'expérience. Ah, ils ont changé la couleur. Ils ont changé la couleur. Donc si vous mourrez, vous perdez tous les bonus d'expérience, sachant qu'ils sont cumulables. Chaque fois que vous allez rencontrer un bonus d'expérience, vous allez le cumuler jusqu'à arriver au maximum du total de votre expérience que vous avez déjà. Vous ne pouvez pas gagner plus en bonus que vous avez déjà. Bon, mine de rien, j'ai jamais vu autant de bons. Fais attention au pourcentage de objets magiques. Dis donc. On a un petit problème là. De la haine. Ouais, j'ai de la haine. Non, c'est bloqué là. J'ai perdu mes raccourcis. Donc j'ai un qui passe. Donc on va quand même essayer de trouver ces donjons. Je vais finir cette faille là et puis je vais pas tarder. C'était quand même le but. Impossible. Stream à la fin. C'est de savoir où se trouve et comment se passent ces donjons. C'est une mauvaise idée. Si déjà je me rends compte que mon set est plus puissant que normal, ça me fait plaisir aussi de pouvoir justement tester d'autres choses. Non, ça n'ira pas. Ah, c'est compliqué. Mais moi, j'ai du mal. C'est une mauvaise idée. C'est une très bonne idée, t'inquiète pas, on va s'en occuper. Je sais pas si je peux mettre de la musique. On va rester comme ça. Au naturel, comme ça au moins je vais pouvoir la mettre sur YouTube. Parce que vous savez, bien entendu, avec les droits d'auteur, on ne peut pas faire ce qu'on veut. Malheureusement. C'est une mauvaise idée. Quoique, j'ai vu maintenant je pense que ça va être la musique gratuite sur YouTube. Donc, quand vous êtes mode créateur, vous avez accès à une bibliothèque de musique sur YouTube. Alors, bien sûr, ça permet de mettre la musique sur les vidéos, mais à partir du moment où elle reste sur YouTube, si maintenant vous partagez vos vidéos, vous les mettez sur un autre site, là il faut faire attention. Déjà pas mal qu'on puisse avoir de la musique sur YouTube, ce qui est déjà une chose. C'est un moment, c'était interdit. C'est juste que les vidéos, vous pouvez pas les monétiser, ça c'est déjà sûr. Et après, des fois, elles peuvent être interdites dans certains pays. C'est le cas sur YouTube. Pour comprendre même les vidéos BlizzCon que j'ai partagées, donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site YouTube, partager les vidéos de la BlizzCon. BlizzCon à nouveau extraordinaire cette année. J'ai pas encore pu tout regarder, mais alors je peux vous dire que beaucoup de cosplay magnifique. C'est une mauvaise costume, c'est magnifique. Là aussi j'ai eu des soucis vidéo. Et des petits soucis des vidéos où c'était un petit peu saccadé. La qualité n'était pas au rendez-vous cette année. Hein. Ça c'est un petit peu le point noir qu'ils ont eu. D'habitude chaque année on pouvait choisir tous ceux qui avaient acheté le billet virtuel. On pouvait choisir la qualité de visionnage. Si
passe, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe. Voilà, j'ai peur, ça va tomber. C'est pas possible. Ça va tomber. Donc, on pouvait choisir la qualité de visionnage du live. Sauf que cette année, j'ai l'impression qu'il se basait sur... Non, ça n'ira pas. Sur la vitesse. La vitesse de flow. C'est... Je sais pas, j'ai pas compris. Donc, des fois, la qualité, la vidéo est en super qualité. Et des fois, elle est... Il y a des saccades, c'est affreux. C'est affreux. Malgré cela, j'ai quand même décidé de partager les vidéos. Parce que c'est vraiment magnifique. On se rend compte chaque année de plus en plus. Chaque année il y a de plus en plus de cosplayers. Et c'est vraiment magnifique, rien à dire. Vous regardez juste les gagnants. Alors où c'est qu'il est caché lui? Où c'est qu'il se cache? 8 objets d'esprit, un petit bonus de vitesse. Ah, j'aime bien parce que c'est vraiment planqué le gars. Petit. Viens voir papa. Le voilà, chante Pierre. Allez, chante une chanson Pierre. Allez, ça va être fait. On va finir ça vite fait. Et on va se retrouver pour les donjons, hein, parce que c'est pas possible. Hein, on va les faire. On va aller faire ces donjons. Et je vais monter en niveau. Ça c'est fait. Pourquoi 3 quarts d'heure à passer à faire des trucs? Non, ça va passer. Je l'avais dit, je le ferai. Hop. Tout le monde retourne à la maison. Un petit niveau en plus. Le livre de Kain. Les dégâts s'enfuient. Allez, on va monter le paragon. Alors ça aussi c'est bien parce que dès qu'on ouvre la fiche de paragon, il nous met tout de suite sur la caractéristique qu'on peut augmenter, alors qu'avant c'était pas le cas, il fallait juste cliquer une fois de plus. Allez, ça on jette. J'ai jeté tellement de choses que je sais même plus. Alors celui-là c'est pareil, le sac à dos du bombardier, celui-là que j'ai là, j'ai jamais looté. Ah, ça c'est bien ça, le don de Ramaldini. Alors, j'étais en train de dire quoi, donc le sac à dos du bombardier, je n'ai looté qu'une fois, deux fois puisque je l'ai aussi dans le sac de canaille, dans le cube de canaille, et je n'ai looté que deux fois depuis que j'ai commencé la saison. J'en ai la tonne à la pelle, les crash boots j'ai déjà fait, ça j'ai déjà fait. Donc c'est vrai que c'est assez difficile de. C'est assez difficile de les looter ceux-là. Ouais, mais c'est pareil, c'est. Ah par contre celui-là, il y a déjà les dégâts de sentinelle de 13%. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Je vais la garder parce que 0,5% de dégâts en moins. C'est pas si mauvais que ça. C'est pas si mauvais que ça. On peut monter la dextérité. Ça peut être pas mal, sympa. Celui-là, on va le garder. Alors, les carreaux, blablabla. Hop, l'aile du corbeau. Ah, 3000. Ah, mais c'est pareil. Ah si, on peut le modifier aussi. La vitesse d'attaque, 7%. Oui, on va peut-être la garder celle-là. On a des bonnes choses, allez, on a des bonnes choses, on sortir quand même bien. On sortir quand même bien, les trucs, oui, ça je sais, ça c'est le crème. Oui, je sais, on peut les changer, la rose des vents. 17% de dégâts en moins quand même, hein. Bon, en sachant qu'on peut... On peut modifier ou pas, réflexion de Nathalie, non. La rose des vents, la même, mais sans gemme cette fois-ci. Encore, sans gemme. Alors oui, je sais, on peut les reforger. Mais... Pff, ouais. Vitesse de déplacement. Ah, c'est vrai que j'ai pas ça, la vitesse de déplacement, en sachant que j'ai pas les 25. Alors, non, je veux pas m'amuser. Hop, on va garder celle-là, puisqu'il y a la chasse. On va essayer de voir si on peut gagner, parce qu'on a quand même plus de dextérité que sur l'autre, mais on n'a pas les points de dégâts. Donc on peut peut-être s'en tirer remplaçant les dégâts de zone par coup et les remplacer par de la chance de coup critique ou des dégâts de coup critique.
Mais 17% à rattraper, ça va être délicat. À mon avis, ça va être difficile, ça. Ouais, on se répare, on met tout ça dans le coffre et on se barre. On se casse, comme on dirait dans un certain film, on se tire ailleurs. Ça et ça, ça, je les avais mis ici. Je préférais la saison parce que la saison, j'avais bien réorganisé tout mon truc là. Et là, c'est vraiment un vrai bordel. Les sets sont complètement dans le désordre, les trucs sont à l'envers. Le Blackthorn, je le garde, je sais même pas pourquoi. Allez, on y va? Ouais, je voudrais bien faire mon donjon, moi. Hein. Mine de rien, je voudrais bien faire mon donjon. Pourquoi j'en ai que 3? J'en ai 5 normalement. Bon, allez, on accepte. Non, bah alors on accepte. Ah oui, ouais. Bah, 3 ont accepté, bah tant pis pour lui. Allez! Mais c'est. Puis c'est la frayeur. Ah! Oh! Allez! Hop! Une mauvaise idée. Mais non, c'est pas une mauvaise idée. Allez, là il y a le deuxième qui apparaît. On va se méfier, on va quand même pas mourir parce que ce serait dommage. Parce que là c'est pareil, on peut pas ressusciter. On peut sur les épines. On peut pas ressusciter. Juste moi, qu'est-ce qu'il a mis comme niveau? Je sais même pas. Non, faut pas choisir le niveau. Ça c'est fait. Déjà, ça y est, c'est bon. D'accord. D'accord. Moi ça c'est fait. D'accord. Bon allez hop. Je dois rentrer. Bah on rentre. C'est fumé ce truc. C'est fumé là. Bon allez, il reste 10 minutes avant une petite pause quand même. Mais alors pourquoi? Pourquoi vous avez découvert une bannière? Mais mine de rien, j'ai le cœur de la frayeur. Ouais, mon petit gars, là, t'es gentil. Oh, mais vous faites chier, les gars. Oui, je suis vulgaire, mais attends, mais... Un allié quitte mon groupe. Allez, hop. Visiblement, il y en a, il a envie de faire tous les royaumes. Allez, incroyable, sorcière, impitoyable. Allez. Bon, mine de rien, ça permet de looter donc des fouettes fouettes là, les cœurs là, machin, pour faire justement la fameuse gemme ou l'amulette, à vous de voir, pour ce que vous voulez. Il a fait des failles infernales. Voilà, hop, ça c'est bon, c'est fait. Blablabla. Et attends, on va pas mourir là, parce que ça je déteste ces trucs. Hein. Hop, et voilà. On retourne en ville. Donc je voudrais faire des donjons. S'il vous plaît. On peut faire les donjons. Dites-moi où sont les donjons. Allô, y a quelqu'un? Merci. Ah, il va tous les faire. Bon, on va tous les faire. Oh, je m'en fous, on va tous les faire. Allez hop. Soyons fous. Déjà presque une heure, le temps passe vite. C'est affolant, durée de fonctionnement. Hop. Qu'est-ce qui s'est passé? Allez! Hop. On pose tout ça. Blablabla. Et on est en tournant 8 là. Hop. Bizarrement là. Si, ça ira très bien. Ouais, le Jama qui est mort, et de deux, et c'est bon. Affolant parce que autant. Hop.
Mais arrêtez, vous faites tous en même temps là. Ah, je suis sur un groupe là. C'était quoi, 35? 35. Ça va même pas être la peine, c'est 35, ça va. Je vous souhaite. Vas-y, souhaite-moi bon courage, bonne chance, ce que tu veux. Aïe aïe aïe, ça bug, ça bug, ça bug, ça bug. J'aime pas ça, j'aime pas ça. Alors est-ce que c'est le jeu, est-ce que c'est le PC, je sais pas. J'ai plus l'impression que là il y a un moine qui se fait plaisir. Là il y a un moine qui se fait plaisir. Et là je crois que je suis en train de déguster au niveau des FPS. Et encore j'ai limité pourtant la... J'ai limité la chose à 60 FPS. J'aimerais pas dépasser. Mais... Ça ira pas. Si, si, ça va aller. Ça va aller. Donc je vous rappelle qu'on est sur le PTR, on est en train de tester le nouveau patch 2.4 qui devrait sortir prochainement. Ça devrait pas tarder, je pense. Si déjà il est sur le PTR, à mon avis... C'est pas possible. Attends, reste pas là, malheureux. Un contre tous. On n'est pas... On n'est pas Highlander ici, hein. Un seul survivra. Si je continue là, j'étais sur un mauvais voie. Pas moi qui serait resté en vie. Impossible. Eh, hey, un petit niveau, c'est pas pour moi, c'est mes collègues. Ah oui, j'essaye. Ah oui, personne, s'il vous plaît, c'est pour le donjon. Ah, bah voilà. Moi, je voudrais déjà savoir où se trouvent les donjons, c'est déjà pas mal. Mais où se trouvent les donjons? Va-t-on trouver les donjons avant le temps imparti? On rappelle que je suis là pendant 2 heures, donc ça fait déjà 1 heure. Il reste une petite heure encore, mais comme je cherche pas du tout les donjons, je risque pas de les trouver. Donc Qu'est-ce que tu fais ça? J'ai vu faire les donjons, ah, c'est bien, mais si tu restes dans les fins, mon gars, tu vas pas trouver ton donjon. Alors, c'était avec le 5, tu montes les marches vers le guérisseur. Bon déjà, on est au courant. Oui, si je me souviens bien, c'est dans les actes... Acte 4 et 5. Ah, je sais plus la peur. Les temps de ressources sont supprimés. Hop, reste pas là, malheureusement. Alors, lui, il est là. Oh là là. Allez hop! Youhou! Ta-da-ta-ta-da. Allez! Urshi! Donne-moi! Alors j'en étais où? J'avais commencé à monter. Mais arrête avec ton nez là! Voilà, c'était celle-là, mais ouais, non, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Si vous avez une gemme de qualité suffisante, je peux essayer de la mettre. Dégâts des familiers? Non, je l'ai pas. Je sais plus laquelle j'étais en train de monter là, c'est trop, ça c'est trop. Ah oui, c'était ça! Ouais, 38. Ouais, quand même. Allez, vas-y, monte une gemme, on s'en fout laquelle. Allez, tiens, ça... Ah oui, attends, j'ai la deuxième, là. Voilà, 18. Hop. On va monter celle-là. Pardon. Hop. Allez, encore une. Donc, pour rappel, les failles renforcées vous permettent, contre un montant de quelques millions de gold, d'avoir la possibilité d'avoir une amélioration de gemme en plus. Donc 3 plus 1. 4. Suivez là. Et ce qu'il a fait, il a fumé la faille. Il a fermé la faille. Allez, je me sauve avant qu'ils aient encore envie de faire quelque chose. Et je vais essayer de trouver ce donjon. Donc on va se prendre l'acte 5. On va essayer de courir après l'acte 5. Pourquoi il n'y a plus rien là-bas? Pourquoi il n'y a plus rien là-bas? Si, il y a quelque chose là-bas. On va se faire une petite pause. 5 minutes. On revient. Et on va s'occuper des donjons. Acte 5, acte 4, je sais pas. On verra. Donc, vous inquiétez pas, je serai vite de retour.
tout de suite.